En ville, la plupart des gens vivent dans des appartements. Un appartement est généralement constitué de plusieurs pièces. Parmi ces pièces, on peut généralement trouver la chambre. Le sol d'un appartement peut être constitué de différents types de matériaux. On peut par exemple poser de la moquette ou alors poser du parquet. Les pièces d'un appartement peuvent être plus grandes ou plus petites. On dit donc que les pièces ont des dimensions différentes. Pour connaître les dimensions d'une pièce, on doit donc mesurer les dimensions. On doit par exemple mesurer la longueur de la pièce et également la largeur de cette pièce. Par exemple, une chambre pourrait faire 5 mètres de large pour 6 mètres de long. Pour mesurer les dimensions d'une pièce, on utilise donc les mètres, mais également les centimètres, ou encore, s'il s'agit de surface, on peut également utiliser les mètres carrés ou les centimètres carrés. On peut utiliser les mètres et les centimètres pour mesurer l'épaisseur d'un objet, comme par exemple l'épaisseur d'une moquette. Centimètre contient centi et mètre. Il y a donc 100 centimètres dans un mètre. Lorsque l'on fait des travaux et que l'on veut connaître le prix des travaux avant de payer, on peut demander un devis. En français, lorsque l'on est occupé et que quelqu'un veut nous parler, on peut lui dire « Donnez-moi un instant ». Cela signifie que vous demandez à cette personne d'attendre un petit peu. Vous pouvez d'ailleurs ajouter « Je serai disponible au plus vite », ce qui signifie que vous serez disponible le plus vite possible. Bonjour, je n'aime pas trop le sol de mon appartement. J'aimerais changer le parquet. Bien sûr. Connaissez-vous les dimensions de la pièce? Non, je ne les connais pas. Pourriez-vous prendre les dimensions? Sans problème. Donnez-moi un instant, je vais mesurer. La pièce fait environ 5 mètres par 6. Il faut donc compter 30 mètres carrés de parquet. Très bien. Ah, et j'aimerais également faire poser de la moquette dans ma chambre. J'aimerais une moquette assez fine. J'ai une moquette de 2 cm d'épaisseur. Qu'en pensez-vous? Je pense que ça devrait être bon. Très bien. Je vais prendre les dimensions de votre chambre. La pièce fait 4 mètres de long et 3 mètres de large. Je vais vous préparer environ 12 mètres carrés de moquette. Parfait. Combien de temps ça va vous prendre pour la pose du parquet et de la moquette? Il faudra compter environ 3 jours de travail. Très bien. Pouvez-vous me faire un devis? Sans problème. Je vous l'envoie au plus vite. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Bonjour. Je n'aime pas trop le sol de mon appartement. J'aimerais changer le parquet. Bien sûr. Connaissez-vous les dimensions de la pièce? Non, je ne les connais pas. Pourriez-vous prendre les dimensions? Sans problème. Donnez-moi un instant, je vais mesurer. Dans ce dialogue numéro 3, Louise souhaite changer le sol de son appartement. Elle souhaite changer le parquet. Le parquet est une surface, un revêtement en bois. Un parquet est donc fait en bois. Par exemple, en basketball, on dit que les joueurs jouent sur un parquet, car le sol d'un terrain de basketball est en bois. On dit que c'est un parquet. Les joueurs de basket jouent sur un parquet. Le poseur dit à Louise qu'il doit prendre les dimensions
de l'appartement, de la pièce, pour savoir quelle surface de parquet est nécessaire. On dit donc prendre les dimensions, c'est-à-dire mesurer la surface de la pièce. On dit prendre les dimensions, mesurer. Ensuite, lorsque Louise donc demande au poseur de prendre les dimensions de la pièce, celui-ci lui répond « Donnez-moi un instant ». Comme nous l'avons vu dans le vocabulaire, un instant est un moment très court. Donc, le poseur, en disant à Louise « Donnez-moi un instant », lui demande d'attendre un très court moment. « Donnez-moi un instant ». La pièce fait environ 5 mètres par 6. Il faut donc compter 30 mètres carrés de parquet. Très bien. Ici, lorsque le poseur prend les dimensions de la pièce, après qu'il ait pris les dimensions de la pièce, il explique que la pièce fait 5 mètres par 6. La pièce fait 5 mètres par 6 signifie ici que la pièce mesure 5 mètres par 6 mètres. 5 mètres par 6 mètres. La pièce fait veut donc dire ici la pièce mesure. On utilise donc souvent en français le verbe faire pour exprimer la valeur de quelque chose. Par exemple, je fais 1m83, je fais environ 1m83. Ce produit fait 100 euros, c'est-à-dire ce produit coûte environ 100 euros. Ou ici, évidemment, la pièce fait 5 mètres par 6, c'est-à-dire la pièce mesure 5 mètres par 6 mètres. Lorsque le poseur dit que la pièce fait 5 mètres par 6, c'est-à-dire que pour connaître la surface de la pièce, il faut multiplier 5 mètres par 6 mètres. La pièce fait 5 mètres par 6 mètres. 5 fois 6, c'est-à-dire 5 fois 6 égale 30. La pièce fait donc environ, la pièce fait 30 mètres carrés. La pièce fait, la pièce mesure 5 mètres par 6. Une fois que le poseur a mesuré les dimensions de la pièce, une fois qu'il a pris les dimensions de la pièce, il explique à Louise que pour recouvrir le sol de parquet, pour changer le parquet, il faut compter une trentaine de mètres carrés. Il faut compter, c'est-à-dire ici, il faut prévoir. Il faut compter 30 mètres carrés. Il faut prévoir 30 mètres carrés. Et puis, comme nous l'avons vu dans le dialogue précédent, Adrien avait vendu une vingtaine de livres. Ici, le poseur explique qu'il faut compter, qu'il faut prévoir une trentaine de mètres carrés, c'est-à-dire plus ou moins 30 mètres carrés. Ça pourrait être 29 ou 28 mètres carrés ou au contraire 31 ou 32 mètres carrés. Une trentaine de mètres carrés ici signifie à peu près 30 mètres carrés. Ah, et j'aimerais également faire poser de la moquette dans ma chambre. J'aimerais une moquette assez fine. J'ai une moquette de 2 cm d'épaisseur. Qu'en pensez-vous ? Je pense que ça devrait être bon. Très bien. Je vais prendre les dimensions de votre chambre. Ici, Louise explique d'abord qu'elle veut faire poser de la moquette dans sa chambre. Cela signifie qu'elle veut demander à quelqu'un de poser de la moquette dans sa chambre. Elle veut faire poser, c'est-à-dire elle veut que quelqu'un pose de la moquette dans sa chambre. Donc évidemment, ici, le poseur s'en occupera.
Louise veut faire poser de la moquette par le poseur dans sa chambre. Elle explique également qu'elle veut une moquette fine, c'est-à-dire une moquette qui n'est pas large ou qui n'est pas épaisse. Une moquette fine par opposition à une moquette très épaisse. Le poseur ensuite répond donc à Louise qu'il a une moquette qui fait 1,5 cm d'épaisseur. 1,5 cm d'épaisseur est donc une moquette. Une moquette qui fait 1,5 cm d'épaisseur est donc une moquette qui est plutôt fine. Donc, c'est pourquoi Louise accepte, elle dit qu'elle est d'accord pour prendre cette moquette de 1,5 cm d'épaisseur. Ensuite, le poseur explique à Louise que, encore une fois, il va devoir mesurer la chambre pour pouvoir décider quelle surface de moquette il va devoir poser. Et c'est pourquoi il dit qu'il va devoir prendre les dimensions de la chambre de Louise. Prendre les dimensions. La pièce fait 4 mètres de long et 3 mètres de large. Je vais vous préparer environ 12 mètres carrés de moquette. Parfait. Combien de temps ça va vous prendre pour la pose du parquet et de la moquette? Il faudra compter environ 3 jours de travail. Après avoir pris les dimensions de la chambre de Louise, le poseur explique que la chambre fait, c'est-à-dire qu'elle mesure, 4 mètres de long et 3 mètres de large. C'est-à-dire que cette pièce fait 4 mètres par 3. Donc, si l'on multiplie 4 par 3, si l'on multiplie la longueur par la largeur de la pièce, 4 fois 3, on obtient 12. La pièce fait, la pièce mesure, donc 12 mètres carrés. Ensuite, Louise demande au poseur combien de temps ça va prendre, c'est-à-dire combien de temps le poseur, de combien de temps le poseur va avoir besoin pour poser le parquet et la moquette dans l'appartement de Louise. Prendre ici signifie donc avoir besoin. De combien de temps ça va prendre, c'est-à-dire de combien de temps a-t-on besoin pour faire ça? On pourrait dire, par exemple, si je dois aller au marché ou au supermarché, si quelqu'un veut me demander « Tu as besoin de combien de temps pour aller au marché, pour te rendre au marché ?» Cette personne pourrait également me demander « Ça te prend combien de temps pour aller au marché ?» Le poseur répond ensuite à Louise qu'il faudra compter 3 jours de travail. Compter, ici, comme nous l'avons vu avant, signifie qu'il va falloir que le poseur aura besoin qu'il faut prévoir 3 jours de travail. Il faut compter 3 jours de travail, c'est-à-dire il faut prévoir 3 jours de travail. Ici, compter, on utilise donc compter, le verbe compter, pour exprimer une durée. Il faudra compter 3 jours de travail. Dans la partie précédente, le poseur expliquait qu'il faudra compter une trentaine de mètres carrés, c'est-à-dire il faudra prévoir une trentaine de mètres carrés pour couvrir le sol, pour poser le parquet. Ici, il explique qu'il faudra compter également, qu'il faudra prévoir 3 jours de travail pour poser le parquet et la moquette dans l'appartement de Louise. Enfin, lorsque le poseur explique qu'il faut compter 3 jours de travail, on dit 3 jours de travail, car 3 jours de travail signifie 3 jours pendant lesquels le poseur va travailler. Par exemple, si le poseur
commencerait à travailler un vendredi, mais qu'il ne veut pas travailler le week-end, c'est-à-dire le samedi et le dimanche. 3 jours de travail seraient donc le vendredi, le lundi et le mardi. Et donc au total, 5 jours, puisque ça ferait du vendredi jusqu'au mardi. 3 jours de travail veut donc dire 3 jours pendant lesquels le poseur travaille et non pas 3 jours au total. Très bien. Pouvez-vous me faire un devis ? Sans problème. Je vous l'envoie au plus vite. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Ici, Louise demande au poseur s'il peut lui faire un devis. S'il peut lui faire un devis, c'est-à-dire s'il peut lui écrire et lui donner, si le poseur peut écrire et donner à Louise un devis. Comme nous l'avons vu dans le vocabulaire, un devis est donc un papier qui explique à l'avance combien vont coûter les travaux. Louise demande ici donc au poseur s'il peut lui faire, s'il peut lui écrire un devis afin que Louise sache à l'avance combien vont lui coûter les travaux dans son appartement. C'est-à-dire combien ça va lui coûter à Louise de faire poser le parquet et la moquette dans son appartement. Enfin, le poseur explique à Louise qu'il va lui écrire un devis au plus vite, c'est-à-dire le plus vite possible. Le poseur préparera le devis pour Louise le plus vite possible. Il va lui faire un devis au plus vite.